Salut Maurice, bienvenue aujourd'hui dans ça l'épisode Gloire d'Antan. Côte bien sûr, nous parlons à la rencontre d'un artiste mauricien qui vous bien connaît. Un monsieur, c'est monsieur Mario Kassane. Bien sûr, c'est monsieur Picnic, madame Marie. Oui, c'est connu. Et aujourd'hui, il paraît qu'il y a nous contenu pour nous faire plus de rencontres, un petit retour le socorrier. Et jusqu'à aujourd'hui, qui sera l'actualité musicale. Salut Mario, ça va? Oui, ça va bien. Et vous, Nikita? Moi, super. Mario, ouais. Merci beaucoup d'accueillir moi aujourd'hui côté. Nous avons l'occasion de faire plus de connaissances avec Mario Kassane. Oui, tous les plaisirs pour moi. Moyo, dis-nous un peu, aide-moi, quelle est la génération. Et bien, téléspectateurs qui connaissent Moyo Kassane, nous venons tirer tout le courrier musical Moyo. Comment la musique rentre dans la vie? Ben, moi, je tiens, comme je dis, mes enfants Cassie, il habite. Et dans ce coin-là, nous tiens un l'orchestre qui joue la musique. Dans Cassie, il tiens avant, il y a des enfants Cassie qui peuvent faire la musique. Et puis ici, dans Codan, il y a Pepito Sound. Et c'est là que mon commence, dans Kualari, et ben, quand moi, de jouer la guitare. Ben, à l'époque-là, c'était Mike Brandt, Demis Roussos. Alors, c'est par là que mon commence à rentrer dans la musique. Tu passes à l'amour, là, pour la musique commence à créer dans la vie. Exactement. Et au petit Mike Brandt, Demis Roussos, si me demande, ben, raconte un peu qui tu as une influence musicale, justement, Mario Kassane, adolescent, qui tu peux écouter, qui tu peux sentir. Ah, c'est Garcia Zebras. Je me sens que c'est Garcia Zebras, Rosé Clancy. Parce que ben, je suis content quand je me sens Sega. Mais moi, je me sens Sega. Je me sens Mario, je me sens Sega pour nous. Dis-nous, Mario, c'est une inspiration quand tu viens à ce moment-là, comment dire, pour y aller de l'avant, oui. Mais fais ce qui pour lui aussi un petit peu, comment dire, amène un peu ce qui se l'équerre et envie de porter à la République. Oui, ça c'était en France quand. Quand on rentre en France, on rencontre un auteur, compositeur, Olivier Dugard. Bon, malheureusement, il est décédé. Bon, et lui, il m'a entendu chanter et il a dit bon ben ok, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Et moi, à cette époque-là, j'ai commencé à écrire la mélodie des chansons. Et là, je fais la chanson, j'ai composé la mélodie de Le Flower de Soie. Et lui, il a mis des paroles. Et bon, à ce moment-là, c'est en 1977, on a sorti un 45 tours. Là où je t'emmène, il y a des fêtes foraines et des grands bals et des cigares. On s'en va loin du béton, du bruit des balcons. On va faire un tour du côté de l'amour. Le ciel est à nous deux, les étoiles c'est pour nous. Elles brillent dans le bleu, le plus beau rendez-vous. Jamais le fleur n'a dégagé cette tout justement. Alors raconte-nous, rappelle-nous le titre, c'est quoi et comment tu vives ça, hein, qui vont souvenir regarder des premiers mots ce qu'il veut faire. Bon, à cette époque-là, c'était jeune et puis il fallait que je fasse mon service militaire. Alors
j'ai fait les 45 tours et puis moi je suis partie en service militaire. Bon, ben, ça défilait en aiguille. Ça, il manquait de la promotion pour pouvoir aller plus de l'avant. Bon, ben, les 45 tours étaient là. Et puis j'ai dû partir au Canada à ce moment-là. Bon, ben, après mon service militaire, je suis partie au Canada. Et au Canada, j'ai continué à faire. Là, j'étais un peu plus actif dans mes affaires. Du coup, on tout le temps comme si jongler entre la musique avec le service militaire à côté ensemble. Exactement. Et Mario, nous connaissons aussi en tant que ça artiste qui chante en anglais, en français. Mm-hmm. C'était un choix ça qui fait ça. Hein? Non, mais c'était l'époque. Moi, c'était mon époque. Qui venait aussi des Balles de Triomphe. Exactement. Ben voilà, exactement. C'était mon époque. Mais après, les Cégas, comme je vous ai dit, que moi, les Cégas, c'est Serge Lebras. Serge Lebras qui. Moi, j'ai chanté toujours Serge Lebras. Jean-Claude, Claudio, ce bande d'artistes-là, sont tous de Cégas. Depuis 77, mon fils, il y a au moins 45 années de courrier, là. À peu près, oui. À peu près, oui. À peu près dans... Oui, un dans l'autre. Oui. Oui. Et si mon révine, nous, ça pointe que tu dis à moi, c'est vrai où tes enfants la butent, donc du côté de Cassie, dans pour lui, où l'amour pour la musique commence né, pour un petit groupe de l'endroit, le pour lui. Exactement. Où retrouver, arrive en France, que tu peux faire, nous, qu'à dire, évoluer musicalement pour le vrai, ou faire le premier pas, avec le premier 45 tours, le foulard de soi, c'est ça. Et, où tu as fait, comment ça t'est réussi en Europe, qui l'île représente qu'on laisse au cadre que l'on se paye, non? Tout à fait. Comment on vit ça? Non, mais moi, on vit ça que, quand on arrive en France, on tombe dans, c'est un club mauricien à cette époque-là. Là, nous tombons dans le club mauricien et puis, bon, bah, là, avec l'orchestre du club mauricien, j'ai été intégrée dans le club, dans l'orchestre. Bon, ben voilà, et puis les services militaires, et puis ça continue d'un bout à l'autre. C'était enchaîné, hein. Mais je n'ai pas lâché. Là. D'accord. Même s'il y a 2-3 ans de repos, décalage, mais... Toujours présent. Toujours hein. Présent, oui. Moi, je me demande, nous, 45 années de carrière, qui ne traversait des où? Vous dites, si vous posez 2022, vous essayez de faire ça, film ça 45 ans dans la tête, qui regarde poser le propre carrière, qui sentiment, qui feeling avec moi? Ah ben, le regard, le feeling que m'ont posé sur moi-même, c'est que m'ont pas lâché, m'ont pas abandonné avec tout ce qui est là, des hauts et des bas, mais m'ont pas lâché, m'ont toujours performé, m'ont toujours persévéré. D'aller de l'avant et continuer jusqu'à bon bah jusqu'à maintenant, pas me lâcher, voilà.
Et c'est une bonne question qui me pensait assez compliquée pour les autistes qui ne sentent tellement pendant tellement d'années dans leur propre répertoire, leur propre place. Est-ce qu'il y a une motion qui, chaque fois, moi, je sens une santé et un feeling différent, particulier de traverser, qui est plus content d'interpréter, qui est plus content de santé pour vous-même? Pour moi, personnellement, ouais, c'était qui m'ont écrit, il y a les ciels étanoudés et défis d'amour. C'est ça, c'est. Et puis, pique-nique, Madame Marie. Pique-nique Madame Marie, ça c'est mon dada. Mon invité d'un pique-nique organisé par Madame Marie. Mais c'est la tire remplie, dis mon Dieu que c'est fini. Avant de finir chauffer, t'y l'ambic la paix passée. C'est quand la commence d'un bal, à la qui nous danse à voir. Chauffer fin démarrer, contrôler, y'a pas contrôler. L'ambiance pas badinée, journée là à peu commencer. Ton invité fille Annick, vini danser, c'est gars typique. Pour pas t'en y appeler, ou à ti voilà, pé raisonner. Premier arrêt, cobas en central. Pas nos cargaisons pour nous royales. Pas que cresson ou avec gros oignons. Quand Big Frambi n'a pas manqué. Dans pique-nique, Madame Marie. 17 jolies jolies, 17 jolies jolies familles, ces gars-là n'ont pas les finis. Pique-nique Madame Marie, 17 jolies jolies, 17 jolies jolies familles, ces gars-là n'ont pas les finis. Dans pique-nique Madame Marie, 17 jolies jolies, 17 jolies jolies familles, ces gars-là n'ont pas les finis. Pique-nique Madame Marie, 17 jolies jolies. 17 jolies, jolies familles, ces gars-là n'ont pas les finis. À nos causes, un peu ça m'a demandé sur une cause défi d'amour. Raconte-nous défi d'amour, que ça t'est venu, hein? Que l'idée n'est jamais pour faire ça. Est-ce qu'il y a eu une déclaration, c'est un vécu, c'est quoi? Que ça, c'est aussi défi d'amour? Non, défi d'amour, c'était, bon, comme je vous dis, j'étais dans l'armée, et puis on a commencé avec des amis, on a commencé à écrire des chansons, des trucs. Mais moi, je suis toujours du côté mélodie. Moi, j'adore faire la mélodie. Puis, on met des accords. Après, l'arrangement musical, ça vient après. Mais par contre, la mélodie, c'est la mélodie des défis d'amour que j'étais inspirée là-dessus. Et puis, il fallait trouver un sujet et qui allait avec défis d'amour. Alors, bon, c'était une amie à moi. Je lui ai montré la mélodie et elle a mis le texte dessus. Ouais, elle s'appelle Francine. Et elle a mis les paroles. Et moi, à ce moment-là, j'ai fait la chanson. Et ça nous vient comme ça, un joli chef-d'œuvre pour la suite. Oui, on a fait un album, que Défi d'amour. Et dedans, quoi. Mais comme la vieille de ses fresques, tu t'élances vers mon ciel quand tu danses. Je succombe à tes rêves transis diverses, par la volée d'étincelles que tu me lances. Et tu viens m'obséder jusqu'à me posséder. M'envoûter au cœur de mes rêves et t'envoler. C'est un défi d'amour que tu me tends jour après jour. C'est un défi d'amour que tu m'inventes au jour le jour. C'est un défi d'amour qui m'enchante au fil des jours. C'est un défi d'amour, on s'aimera jusqu'au. Je me fais chevalier romanesque d'une légende oubliée sur une fresque. Tu m'as conquis, plus rien ne me ressemble. Je te séduis enfin, tu t'abandonnes. Et je viens t'obséder jusqu'à te posséder. T'envoûter au cœur de tes rêves. C'est un défi
cri d'amour que je te tends jour après jour. C'est un défi d'amour que je t'invente au jour le jour. C'est un défi d'amour qui t'enchante au fil des jours. C'est un défi d'amour, on s'aimera jusqu'au lever du jour. Alors justement, une cause album à nous cause, Moyo, combien d'albums on est arrivé à ce jour? Ben là, si on compte Défi d'amour et avec ce qui... mettons 4 pour la carrière de 40 ans, bon ben, un album par... chaque 10 ans, un album. Ouais. Et, mais Moyo, en tant qu'un dimon qui longtemps de la musique, un ancien quand même, qui a tellement une carrière riche de Yali, est-ce qu'il ou quelle occasion, là, 2022, écoute la musique que le jeune peut faire? Oui, bien sûr, bien et vous sûr. Appréciez, sinon? Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est la musique. Il n'y a pas de distinction. Ok. Les jeunes, bon bah, c'est sûr. Moi, j'ai une fille de 20 ans ici. Bon bah, j'écoute tout ce qu'elle écoute et j'entends ça toute la journée. Et justement, moi, aussi, vous avez un conseil à donner à la jeunesse mauricienne qui envie gagne quand il est aussi riche, aussi long que vous. 45 ans, c'est quand même quelque chose. Quel conseil tu donnes? C'est quoi le succès pour avoir une carrière qui est si longue, si riche? Ben, de ne pas lâcher, de persévérer, c'est tout. C'est le seul moyen. Alors, Moyo 2022, on est toujours actif musicalement. Il y a un nouveau projet fixe aussi, là, un nouveau single. Viens nous raconter un peu sa petite morceau là et qui s'avance la causer. Le morceau, c'est Satinelle au Mayoc. L'idée de la chanson vient de mon producteur et cousin, Richard Constantin. L'idée vient de lui. Il m'a dit, j'aimerais ça que tu fasses une chanson qui s'appelle « Que tu mettes Satini lo Mayo ». Ben, il m'avait raconté l'histoire que c'était un monsieur qui habitait à Ficamflac. Et lui, il était un peu... c'était un travailleur qui travaillait avec les gens. Et puis, tout le monde, ça a l'air que c'est... Tout le monde badinole, il jouait, parfois, quand il en collait, à dire, attention, hein, vous mettez la satinée au maillot, là. Mais Richard, il me dit, moi, faire ça. Bon, en fait, il me donne moi l'idée. Mais moi, mon travail, l'idée, mais mon besoin, mettre dans le contexte que... Satiner le maillot pour bien venir satiner le maillot, ça veut dire mon pays à mon voisine pour faire ce satiner, pomme d'amour, puis m'a dit c'est leur enfin, avec tout l'ingrédient pour être un, la chanson pour oui, et faire être un peu réaliste dans la chanson satiner le maillot pour quand on mange satiner le maillot, on connaît qui vous pouvez manger. Tu sens des fourmis dans tes jambes. Sans perdre le contrôle de cette danse, tu suis les rythmes et la cadence. Quand la mamba t'a laissé sa trace, à lancer les deux côtés, de haut en bas, danser la mamba. Bouger à gauche, bouger à droite, reviens en place, danser la mamba. Un pas devant, un pas derrière, vaut mieux le rein, danser la mamba. Lever les mains, taper les mains, taper les mains, danser la mamba. Tu sens des fourmis dans tes jambes, sans perdre le contrôle de cette danse. Tu suis les rires de la cadence, quand la mamba t'a laissé sa trace, à lancer les deux côtés, de haut en bas, danser la mamba. Bouger à gauche, bouger à droite, reviens en place, danser la mamba. Un pas devant, un pas derrière, vaut mieux le rein, danser la mamba. Lever les mains, taper les mains, taper les mains, danser la mamba. Un pas devant, un pas derrière, vaut mieux le rein dans.
demandé Manu parce que quand même, comme on peut dire, le mot, le conseil qu'il nous donnait, Zodi, c'est jamais lâcher. Oui. Avec 45 années de carrière, on est toujours actif musicalement. Dis-nous un peu, à quel point il y a pour autant qu'on ça? Ben, c'est... Bon, ben c'est... Comment on peut expliquer ça? Quand vous pas réussi dans les affaires, il ne faut pas vous baisser les bras. Ou pas, quand on baisse les bras, ça veut dire que c'est rien. Ou avancer, même s'il y a des obstacles devant vous. Essayez de traverser les obstacles une à une et aller de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant parce que c'est, on n'a pas le choix. Moi, à l'âge que je suis arrivé, bon, je suis un senior. Bon, mais je me rends compte qu'on, bon, bah, écoute, hein, on continue, on ne lâche pas. Même si c'est... Si c'est difficile, ben on ne lâche pas. Voilà. Mais au moins la satisfaction de dire bon, ben, qu'on a fait quelque chose. Voilà. C'est magnifique. Et est-ce qu'il y a un projet pour 2023? Peut-être clip Satine le Mayoc. Enfin, par contre, qui va un projet Mayoc 2023? Ben, Satine le Mayoc, ben, c'est le projet de l'album. Là, on va essayer de finir l'album. Il y avait avant qu'on a. Tina, avant de ne faire ça, de ne faire galant longtemps, avec soif de l'amour. Bon, mais c'est pour ça, là, on compile tout ça là pour mettre au moins un album de 5 chansons ou à 6 chansons. Sur un pied, voilà, exactement. Et là, si madame, nous faites, tu voudrais faire ça chez le Mayoc pour nous faire. Qui sont ça, les pédir? Ça, t'y le Mayoc. Ça, t'y le Mayoc. Elle connaît que moi, ça bon. Qui sont ça, les pédir? Satini le Mayoc, Satini le Mayoc, elle connaît comment ça bon. C'est un petit Satini le Mayoc, là, dans le fiquant flac, ça veut dire. Hein? Alors, moi, on arrive à la fin de l'émission-là, à l'épisode-là. Est-ce qu'il y a un message pour Van Maurice, qui peut être nous, pour Van Fans, Mayoc Hassan, qui est content, retrouve Mayoc Révigné avec un ces gars-là? Ah, ben, le message, moi, des autres, continuez, être derrière moi, ne lâche pas. Moi, comme toujours, pas lâcher. C'est tout. Moi, c'est... Passe les mots, enfin c'est mon cardia, prends ça cool. Prends ça. Ça c'est mon slogan ça. Ah. Prends ça cool, bon bah, prends ça cool, ça va, ça continue. Super, merci beaucoup Mario, merci pour l'accueil, Zodi, pour les temps. Ah ben c'est moi qui remercie vous de votre invitation et c'est super, mais ça moi j'aime. Plaisir. Fin de ça l'épisode, Zodi, gloire d'antan avec Monsieur Mayoc Hassan. Pique-nique, Madame Marie, défi d'amour, le foulard de soi qui est ce premier morceau. Et là, Satini le Mayoc, ce tout dernier morceau. M'espérer qu'à la maison, vous passez un agréable moment avec nous à redécouvrir Mayoc sur l'univers musical, ce bon début. Comment ça t'y passé pour lui, Zodi, n'arrive plus au moins 45 années de carrière derrière lui. En tout cas, m'espérer que vous passez un agréable moment avec moi ainsi que Mayoc. M'embrasse très fort, nous allons la semaine prochaine pour un autre épisode de votre gloire d'antan. C'est gapé déroulé, wati wala wati lelele. Rien gapé pilingé, parafana pesa couillé.